Les solutions existent pour faire face au changement climatique. On peut distinguer plusieurs types de solutions. La première, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être réduire l'utilisation de la voiture, diminuer les émissions de l'industrie, réduire notre consommation d'énergie, notamment dans les bâtiments. Les mesures sont assez nombreuses. La deuxième solution face au changement climatique, c'est aussi de s'adapter aux impacts du changement climatique. Elle peut se faire de différentes manières. On peut s'adapter aux impacts de manière plutôt réactive. C'est-à-dire que lorsqu'une catastrophe survient, un agriculteur peut décider de vendre son bétail ou de diminuer les rations de nourriture. Cependant, pour ce type de réaction, on ne parle pas d'adaptation au changement climatique, car ces stratégies peuvent être dommageables à long terme. Au contraire, on parle d'adaptation au changement climatique quand on planifie et quand on prend en compte dans nos décisions les prévisions futures du changement climatique. Cela veut par exemple dire pour un agriculteur de se préparer à des sécheresses de plus en plus récurrentes en changeant de culture. Il va pouvoir cultiver du manioc ou une céréale qui demande moins d'eau, plutôt que du maïs demandant beaucoup d'eau dans une zone qui sera soumise aux sécheresses.